Hey, coucou mes petits chocobos! Comment vous allez? Coucou Elios, coucou Cartapus, coucou Draoul, coucou Apple, coucou Kana, coucou Flo, coucou Kiki, coucou Nemesis, coucou Saint, coucou Carrie. Comment vous allez? Je vais personne. Comment ça fatigué? Ah, si t'as pas dormi de la nuit? Moi je dors mal, hein. Normal. Trop de tracas. Mais moi aussi j'ai un peu mal au crâne depuis ce matin, car t'as plus, donc t'inquiète. T'es pas seul. Il faudrait que je refasse le plein de mes dos, j'en ai plus, mais. Compliqué, hein. Mais bon, moi c'est le manque de sommeil. Ah, quoique c'est peut-être ça aussi, toi. Si t'as du mal à dormir. Parce que niveau hydratation, je suis bien en ce moment là. Niveau stress, je suis bien aussi, donc du coup, c'est pas ça. Moi, c'est l'inverse, c'est quand je suis trop zen, j'ai une migraine. Donc, c'est le sommeil. Forcément ça. Du coup ce matin, Whisker Waters, je sais pas si on va finir aujourd'hui. J'aimerais bien. Est-ce qu'on commence des petits jeux sympathiques ce week-end? Donc j'aimerais bien. Mais en tout cas, après, on va sur le jeu du crabe et lui, on le finit. Puis il y aura de l'art en fonction de à quelle heure on finit le jeu du crabe. Comme ça, on pourra remettre du roguelike la semaine prochaine. Et oui. Et oui, et oui. J'ai des jeux en attente aussi qu'on m'a offert. Donc ouais, on est pas mal en vrai. On est pas mal. Puis la semaine prochaine, j'ai deux. J'ai une sponso. J'ai une sponso démo. Une découverte démo. D'un jeu. En fait, il y a un jeu que je voulais trop en roguelike, mais qui sort pas. Enfin, qui va sûrement sortir cet automne. Et j'ai été contacté par les devs et. En gros, ils m'ont envoyé la clé totale du jeu, mais elle n'est pas encore sortie. Enfin, le jeu n'est pas encore là. Donc, du coup, j'ai accès à la démo. Et potentiellement, si j'arrive à faire certaines choses dans la démo. Potentiellement, ils m'enverront une ou plusieurs clés à vous faire gagner du jeu. Donc, on va essayer la semaine prochaine. Donc, du coup, je pense que, ouais, comme j'ai une sponso démo de 30 minutes, 1 heure, la durée de la démo. D'ailleurs, c'est un jeu qui était à la AGFD. Que j'ai pas fait. Et du coup, j'ai réussi à avoir une sponso en plus dessus. Donc, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. J'avais pas fait parce que pas le temps, hein, il y avait plein de jeux. Je sais que certains chocobos l'ont fait et ont bien aimé. Donc moi je vais découvrir. Et du coup je calerai l'autre démo avec quoi. Une petite session de démo quoi. Ça peut être sympa. Après est-ce que je calerai pas du bac. Est-ce que j'achèterais pas l'autre jeu aussi pour faire une petite démo entre guillemets dessus? Il y a un jeu qui me fait envie. Mais j'attends qu'il y a tout qui sorte à la base. À voir, ça pourrait être sympa. Je sais pas trop. Ça dépendra peut-être combien de temps me prend
la démo sur Roguelike. Mais ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Et après, ouais, faudrait que je trouve pour caler le jeu que Mamie m'a offert, qui a l'air bien sympathique, mais bon, je trouve un créneau pour bien le faire. Merci pour le ninja carte à puce. Bon dodo. J'essaie de, voilà, de finir ce qu'on a en cours et en même temps de voir ce que j'ai en attente. Autant en essayant de mettre un peu plus d'art, parce que j'aime beaucoup. Et un grand, grand merci à ceux qui soutiennent en art. Le soutien est très important, encore plus pour l'art. Donc merci d'avance à ceux qui sont là. C'était laquelle sauvegarde? Normalement, c'est celle-là. Normalement. Du coup, on avait toutes les quêtes secondaires à faire. On les a toutes débloquées. Et puis, on a la quête principale. Ah bah, on manque pas du jeu, hein, mais il y a tellement de bonnes choses. Plus en art, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. En fait, j'aimerais bien... Et c'est toujours un problème de temps, mais moi j'aimerais bien vraiment à toujours avoir un stream dessin, un stream colo et un stream art plus par semaine, tu vois. Et quand c'est art plus, ça serait soit diamond painting, soit aquarelle, enfin un truc qui change, quoi. Mais c'est compliqué. Alors, on doit libérer des vibroises. Sauf que moi j'ai cru que c'était ça. En fait, l'image et le nom, c'est pas la même chose. Et du coup, moi j'ai capturé ça et c'était le nom qu'il fallait prendre et pas le dessin. C'est pas très logique, hein. Donc on doit parler à Barrette, on doit parler au vieil emplumé. Quand même, là, ils mettent qu'il y a un poisson, mais il n'y a pas besoin de poisson. C'est pas étrange, c'est qu'ils sont foirés, ouais. Faut qu'on pêche pour choper, acheter des clous et du bois. Et bon, je me suis dit que... En... Quoi, c'est écume? Ah, vous voyez, quoi, c'est écume, c'est lui. Et là, il me montre un dessin. T'as rien à voir. En plus, je le connais pas, ce poisson. C'est vraiment n'importe quoi. Il faut toujours des branchies pourries. Il nous en faut à fond. Et il nous faut des stratilapias. Donc on va essayer de choper des branchies pourries, je pense. Sont là. Là, il y en a un. Hein. Oh. Après, là, ça va être un peu chiant pour. Je crois que ça en est, hein, il me semble. Il me faut des branchies pourries, des stratilapias. Après, ce que je peux faire, je peux aussi pêcher plein de choses. Hein. Après, les branchies pourries, ça vaut que dalle. Et est-ce qu'il faut faire des sous aussi? Mais je me dis que peut-être en rendant les quêtes,
Je vais avoir des sous. On va essayer de choper pas mal de branches pourries déjà pour se réveiller tranquillou. Avec le petit café. Alors les branches pourries, c'est les poissons vraiment les plus faciles du jeu. Depuis le début du jeu, il y en a partout, ça pue. Ça vaut que dalle, vous voyez, ça vaut 8 balles. Donc c'est vraiment pas le plus dur. Mais c'est pour ça qu'il nous en faut plein pour la quête. Ils en demandent une vingtaine parce que c'est tellement le truc pourri, quoi. Donc mission, finir les quêtes secondaires en prio. Comme ça, on fera un succès des quêtes secondaires. Après, le problème de trouver 100% des poissons ou des lieux, c'est que sans Solus, à la fin, je sais pas comment je vais faire parce que je pense pas qu'il y ait Solus sur ce jeu. Parce que j'ai fait tous les endroits, donc j'ai vraiment pas d'idée. À moins qu'il y ait encore un endroit avec la quête principale où je suis pas allée. Et que tout est là-bas, ce qui manque. À voir, hein. C'est un peu compliqué. Bah, c'est que je sais, j'ai pas d'idée, quoi. Quand t'as tout fait, tous les lieux, en mode minutie extrême, tu vois. Bah, après, t'as pas... pas trop l'idée. Donc je pense que je dois avoir un lieu que j'ai pas encore été. J'imagine. Est-ce que je peux avec ça? Parce que j'en ai plein d'appart. Ils aimaient bien l'autre, mais j'en ai plus beaucoup. Normalement, de toute façon, ces trucs-là, ça mue tout. Hein. Ouais. Ces trucs-là, c'est vraiment les poissons merdiques. Au début du jeu, j'en avais marre. Si je voulais avoir un autre poisson, et bien à chaque fois, ce truc-là, ça venait à la place. L'enfer. C'est les poissons qui pullulent. Ils aiment tout. Il mange tout. Là, si je veux l'autre le rayer, c'est compliqué avec le branchie. Ah merde, je croyais qu'il avait... il avait mordu. Juste ce point d'exclamation. C'est vrai que... mais ici ça va parce qu'il n'y a pas de bug dans cette zone normale. À part la barque, mais c'est pas très grave. On va faire un plus long chemin pour repartir. Ça va, c'est cool. Vraiment la zone à oiseaux qui est horrible parce que... elle est plein de bugs, la zone à oiseaux. Moi, je pense vraiment qu'ils ont pas eu le temps à la fin. Ils ont manqué de budget. Parce que tout le reste, est, à part la caméra, est plutôt nickel, quoi. Donc... combien? 12. 13. 13. Et il me manque juste une. On va en prendre un de plus au cas où. Mais bon, vraiment. Disons que ça vaut rien, donc
Vendre ça, ça va pas me rapporter grand chose. J'espère qu'il va me donner des sous pour le livrer, quoi. Alors, on va aller lui livrer. C'est le restaurateur. Ah, il est là. De l'autre côté, bien évidemment. Coucou Alicia, bienvenue à toi, comment vas-tu? Alors une merline. Alors des stratilapia. Bah tranquillou, on se réveille doucement. Mais il m'en manque un. J'ai mal compté. Après c'est pas loin, c'est pas très grave. Je suis juste là. Les merlines, Genocé, Stratilapia aussi. Et ça va être cool, ça va être cool. Et lui, il avait 4 quêtes. Non, 3 quêtes. Non, mais pourquoi 12? Non, mais franchement. Y a un problème. Il y en a qui sont pas comptés. Il y en a qui a pourri. Il y a un truc. Il y en a un qui m'a pas compté. Deux. Persuadé d'avoir bien compté. Alors je me trompe d'un, ok, mais deux là ça me paraît bizarre. Donc j'ai recompté avant. Il en manquait qu'un et là il en manque deux. C'est le matin, mais quand même. Et il en bouffe en passage. À vous, t'en as bouffé en passage. Il m'en bouffe plus, hein. Il y a Merlin et Stratilapia. Alors, Merlin et Stratilapia. Deux et une Merlin. Alors. Stratilapia. Picocater. Picocater et Merlin. Picocater. Ok. Quoi c'est cum. Picocater. Je suis trop cheuse. Faut qu'on aille au Cricocater. Et je suis trop cheuse. Cré croquette terre, je crois que je peux y aller. Ufufu, ah, c'est chiant ici. Je déteste cette carte. Là-haut. Ouais, ouais, je sais que t'as volé mon poisson. Putain, je me suis encore trompé. J'ai cet endroit, putain. En plus, tu peux pas courir comme tu veux. Si tu tombes dans l'eau, t'es mort. L'enfer. Raisonnable. T'as le jeu aussi, Alicia, ou pas? Mon café commence déjà à être froid, non, mais c'est quoi ce bordel? C'est coca à terre, c'est là-bas. J'avais raison. Pas des SMS sur la chaîne, s'il te plaît, Alicia. C'est dans les règles.
connais pas du tout. Bah, c'est un RPG de pêche. On rêve de devenir un guerre de pêche. On est plus sur la fin. Donc là, j'essaie de fignoler les dernières quêtes secondaires du jeu avant de retourner sur les dernières quêtes principales. Là, on a quoi? Il y a du Stratilapia, là. Il y a du Stratilapia. Stratilapia, t'aimes quoi? Ah, ou c'est Dimopa. Ils se ressemblent tellement, les deux. Je sais pas, c'est lequel. Je peux m'approcher un peu. Ouais. C'est encore loin. Alors il me faut... Ils aiment bien celui-là. Ouais, ouais, ils aiment celui-là. Mon cul, c'est du poulet. C'est le bouquin qui l'a dit, hein. Donc c'est soit l'autre. Putain, mais ils se ressemblent trop. Comment je suis censé voir? Ok, il y a des petites taches. Qu'il soit plus bleu et qu'il y ait des petites taches. Ça a l'air d'être lui quand même. Je sais pas si il a des petites taches. Ah si, il est là. Mais les autres vont me faire chier. Ah non, c'est bon. Si, c'est lui. Il m'en faut deux, je crois. Je vais en prendre trois, hein, parce que si l'autre, il m'en bouffe encore un. Hein. J'ai vérifié, il m'en faut combien, mais... Il m'en faut deux, je vais en prendre trois. Hein? C'est quoi? C'est un poisson éclair. Il est là-bas. Ouais, c'est un jeu de pêche, mais c'est un RPG, surtout. C'est... Sauf que les niveaux, c'est ta canne à pêche. C'est pas ton perso qui a des niveaux, donc tu dois améliorer ta canne à pêche. Et bah t'as toute une histoire, hein, comme dans tous les RPG, un peu où tu dois un peu sauver tout le monde. Mais par contre, c'est de la pêche plutôt difficile. Hein. Il y a des poissons qui sont faciles. Là, ça va, on est retourné au début du jeu, donc ils sont plutôt faciles ici, mais... C'est par rapport aux autres petits jeux de pêche arcade qu'il y a dans pas mal de jeux, c'est quand même beaucoup plus dur. Hein. Des fois, je m'arrache la tête. Hein. Là, on a un peu de chance parce que les petits hauts, là, ils nous emmerdent pas trop, mais eux, ils sont chiants. Bon, tu veux pas eux, c'est chiant. Parce que eux, ils viennent, ils veulent tout. Eux, tu mets ton doigt dans l'eau, ils te le bouffent. Ouais, il y a plein de mini-jeux, ouais. Il y en a, ils sont durs hein, dans les mini-jeux. Et là, comme on est au début du jeu, c'est les mini-jeux simples. Ah, il y en a un là. Mais. En bas. Je sais pas s'il va venir. Ah, il faut que j'aille plus là. Ah, je lui ai fait peur, du coup, j'étais trop près, mais il a bougé au moins, il s'en sort. Ça, on a de la chance. On a vraiment de la chance. Et du coup, il nous faudra l'autre. Ok. Donc, il nous faut... Ça, c'est bon. Une merline. Il nous faut aussi des poissécumes. Poissécumes, c'est celui qui a une tête de chaussure. Encore, il m'en manque que j'ai pas trouvé. Hein. Il nous manque 5 poissons qu'on n'a pas découverts. Et l'autre, c'était quoi qu'il fallait Merline? Après, bon, ils ont pas les mêmes heures. Il y en a qui est plus de nuit et l'autre plus de jour. Ah, et les pommes. Alors, les pommes, des fois, vous avez des vers à la place. Ça dépend. S'il y a un ver dedans, vous allez avoir un appât. Sinon, vous allez avoir une pomme. Deux, c'est bien, on faut les deux. Je chope des appâts, hein, quand même. Rien ici, comme ça y a rien ici. J'ai fait tomber des cornes, mes petits gars. J'ai pas fait tomber de cornes. Ah, si, là.
Ah non, là, c'est Ah bah, j'ai un verre. C'est vraiment des poissons inventés. Et c'est marrant. Un petit bonhomme. Je me disais, mais attends, il y a quoi qui bouge dans l'air? Un bébé chat. Et t'as le clan des chats, mais le clan des ours et le clan des oiseaux. Est-ce qu'on a de la marine là? Non. Oh, c'est cute. Et merci pour le follow. Il y a une rime, on l'a déjà. Ça, c'est quoi? Peut-être un poisson éclair encore. Des appâts, hein. Une aise d'eau. Il n'y a pas le poisson que je veux ici non plus. Ah, mais je crois qu'il y a des ennemis là-haut. Là-haut, on peut pêcher, mais il y a des ennemis. Alors, il y a un peu de combat. Le combat est dur. Dans le sens où vous faites toucher, vous êtes mort. Et comme la caméra, c'est un peu le défaut du jeu, elle est un petit peu en mode YOLO. Le problème, quand vous mourrez, ça fait passer le temps et ça fait pourrir votre poisson petit à petit. Faut vraiment pas se faire toucher si vous avez du poisson sur vous. Mais s'il n'y a pas d'ennemis, qu'est-ce qu'on a comme poisson? Ah bah, il y a du poisson écume. On a du poisson écume ici. Poisson écume, t'aimes quoi? Bah, les punaises d'eau. Je viens de choper, je crois. Les punaises d'eau. Hein. Ouais. Putain, j'en ai vu il y a 2 secondes. Voilà. Il a eu peur. C'est des poissons dessert, je crois, non? Des poissons gum gum. Ah, c'est des poissons dessert. Et puis, il en fallait combien des poissons écume? C'est vrai que les premières zones m'avaient manqué, ça sont beaucoup plus faciles. Hein. Ouh, la différence. Il faut juste un. J'en prends un deuxième au cas où. Au cas où qu'il y a encore un qui me bouffe un poisson. De toute façon, faut que j'en vende des poissons. Non, toi, je te veux pas. Ça, c'est le problème. Hein. C'est que des fois, ça va vous choper le poisson que vous voulez pas. Ça va. Ah, j'ai eu de la chance. Ok, il nous faut l'autre truc. Mais l'autre, à mon avis, c'est... J'ai le poisson écume, j'aurais pas l'autre. Et celui, c'est quoi? Soir... crépuscule... Jour... Ouais, on est pas la journée, hein. Non, mais ça va être la nuit. Est-ce qu'il y a un feu de camp ici pour faire passer le temps? Aïe aïe aïe, y'a pas. Y'a pas de feu de camp. On va attendre. Oh, GG Apple. Apple, elle est titan quand même, hein. N'oubliez pas de participer au giveaway du mois qui est sur le chat. Vous n'avez pas encore fait, c'est le nouveau. Saisi. Bon, ils ont pas Whisker Waters. Je sais. Mais il y a d'autres jeux bien. Je vais quand même aller voir si jamais il n'y en a pas qui pop aille là-bas. Mais... À mon avis, de nuit, là, on va pas les avoir.
Après, il y a plusieurs cannes à pêche. Au début, il n'y a que celle-ci. J'utilise là. Sinon, il y a la pêche au leurre. Et récemment, on a chopé la pêche à la mouche. C'est vraiment à la fin du jeu que vous avez la pêche à la mouche. C'est très très dur à comprendre la pêche à la mouche. J'ai vraiment mis du temps avant de comprendre. D'ailleurs, on va peut-être en faire un peu de pêche à la mouche pour avoir un peu de raie. Qu'est-ce qu'on va leur mettre comme appât? Mouche simple, ils ont pas l'air de trop aimer. Alors, ils aiment quoi? Des planeurs bleutés. Bah pourtant, ils disent qu'ils aiment bien. Alors, et le pire, c'est qu'il y a des appâts que j'ai pas. Je sais pas si on a déjà eu ces deux-là, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Ah, mais même les appâts qu'ils aiment. Ah, si, lui, ça va encore. C'est léger, hein. Je vais empêcher pour faire un peu de sous. Pour pouvoir acheter les clous et tout qu'il faut. Pour que ça vaut que 10. Pas terrible. Et ça vaut combien? Ah mais je peux pas avoir. Hein. Ça vaut 14. C'est pas ici qu'on va devenir riche. Hein. Mais limite les stratilapia ils valent plus cher. Hein. Et les appâts coûtent moins cher. Cherche la logique. Pourquoi qu'ils aiment déjà? Il a bougé au dernier moment. Aïe aïe aïe. Ça en va au moment où je lance. Ça joue à quoi de beau, mes petits chocobos? Vous êtes bien calme. Ok, Iber. Il nous manque juste une merline, hein? Tu joues à te doucher. C'est pas mal comme jeu. J'ai pas envie de me lever. Ah bah, il faut hein. Quoi que c'est fait hein. Quoi que t'es levé, c'est levé. Ah, et le poisson des cerfs aussi. Le chiant, c'est que j'en vois à côté d'eux. Et au moment où je lance, ils sont plus là. Comme d'hab. Hein. Il m'est froide. Et pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Ça vaut combien un poisson des cerfs? J'aime les douches froides. J'aime les douches chaudes, moi. Putain, ça vaut 12. J'aime le piment d'Espalette. J'aime quand c'est cru, j'aime quand c'est cuit, j'aime quand c'est surgelé. Je me
viendrai toujours de ce truc. J'aime les douches froides, ils auraient dû rajouter. On va tout pêcher et puis voilà. Osef. On fera des petites pépettes. En attendant qu'il fasse jour. J'aime la tête de Luc. Alors, c'est vrai que t'as pas bien lu ce que j'ai écrit. Hein. Parce que j'avais mis que j'avais la tête dans Luc. Pas j'aime la tête de Luc. Dans Luc. La tête dans le Luc. Pas j'aime le Luc. La tête de Luc. Coucou Jean-Billy. Fin du. Comment ça va? Pauvre Luc. Eh ouais. Il prend cher. Hein. Il prend cher, Luc. Hein. Il prend tellement cher qu'il peut plus s'asseoir, le pauvre. Tous les jours, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont la tête dans Luc. Complètement bourré. Ah ça va, on arrive à te lire. Parce que Elios, quand il est bourré sur le Discord, je te dis qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il raconte. Moi je ressors les dossiers. Ah merde, j'ai cliqué trop vite du coup, voilà, à dire des connes. Pas bien de soirée. J'ai jamais été à des soirées jusqu'à 4h du matin. J'ai toujours été raisonnable, moi. Et putain, pourquoi tu cliques? Il faut que tu attends que ça fasse plouf. Il faut quoi? Il faut quoi, Elios? Et raisonnable. Bah ouais, parce qu'après... C'est pour plus se souvenir de rien, d'être malade et tout, ça sert à rien. Risquer sa vie au volant. J'ai jamais été bourré, moi. Et quand je voyais les gens bourrés, ça donnait pas envie de le devenir. Et vraiment pas. J'en ai vu des gens limite à se vomir dessus ou à s'endormir sur la cuvette des toilettes. Ou... Franchement, ça m'attirait pas trop. Ah oui, t'as pied, ouais. Quand t'es en voiture, tu fais gaffe. Y'a toujours pas de Merline. Non, mais c'est toujours le soirée. Hein. Y'a vraiment pas de feu de camp ici. Ça. Ah bah il faut pas, hein. Il faut pas. Et c'est vrai que les gens se disent « Ah, c'est bon, ça va le faire. » Ils ne se rendent pas compte. Bon après c'est déjà arrivé, j'ai une cousine, elle a vraiment pas eu de chance. Bon ça va, personne n'a rien eu à part une petite blessure au bras, mais la voiture s'est complètement retournée pourtant. Mais c'était la seule qui était pas, qui avait pas bu et du coup elle a pris le volant et celle qui a eu l'accident de voiture. Donc des fois c'est pas de chance, tu vois. Ouais. J'en rigole parce qu'il n'y a pas eu de mort d'homme ni rien. Mais après peut-être que ça l'a déconcentré que les autres soient bourrés dans la voiture. Même si elle le dit pas, c'est possible. C'est le nuit. Faut que ce soit le matin. GG Jean-Billy, un niveau de plus.
Bon, la voiture a été fracassée par contre, hein, mais... Tant que c'est que matériel, on va dire. Il faut qu'il fasse jour dans notre petit poisson. Ouais, depuis, ouais. T'as senti que c'était pas, ça avait pas été la bonne idée du siècle, quoi. Après, on fait pas toujours les bons choix, hein. C'est vrai que t'as pas forcément l'impression, tu vois, au début. Hein. Déjà de base, avoir les réflexes sans, en étant totalement clean, on va dire, tu vois, totalement bien. Ça arrive que tu aies déjà trop de retard de d'évaluation des distances et tout, quoi, mais. C'est pire, ouais, après. Alors au moins, tu vois, si t'as un accident et que t'as pas. T'es pas sous l'alcool ou quoi. Tu te dis pas putain si, nanana, tu vois. Des fois, c'est juste pas de chance, quoi. Alors que si t'es bourré, voilà, tu peux. Tu peux t'en vouloir à jamais, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Hein. On a ici. Je cherche une merline comme ça. Lac ou étang. Lac. Ah, c'est rivière. Donc, plutôt que j'aille là-bas. Ah oui, non, mais c'est sûr que des fois. Merline. Putain, ils sont où? Les coquettes, R. Oh, c'est là. Hein. Ils sont vraiment au dernier endroit où il y a les ennemis là? Super. L'enfer, l'enfer. Sur les bonnes comment on va y aller sans se faire tuer. Si j'y vais en courant, ça peut faire ou pas trop.
Voilà, putain d'enculé. C'est vraiment un truc qui m'énerve. Parce que là, mon poisson, il va pourrir et je vais tout recommencer. Et tac. Ça va, il a pas trop pris. Et en plus, ça va faire passer le temps et moi, j'ai besoin d'y aller maintenant. C'est vraiment relou, hein. Mais putain! Il est à 3 km! J'ai vraiment envie de désinstaller ce putain de jeu. C'est vraiment chiant. Voilà, c'est le soirée, c'est trop tard, on va devoir attendre toute une journée. C'est vraiment chiant parce que tu te fais chier tout le long à les tuer et puis ils réapparaissent tout le temps, quoi. Tu veux juste pêcher. Et du coup, ils sont plus là. Génial. On doit attendre toute une journée encore. C'est vraiment relou, on peut même pas pêcher tranquille. Un jeu de pêche, je peux pas pêcher tranquille. Bien de temps en temps qu'il y a des ennemis, mais enlevez-les au bout d'un moment. On fait l'histoire, on avance l'histoire, enlevez-les. Dans l'histoire, tu les détruis et ils réapparaissent. Ah, fait chier, une journée entière à attendre. Je vais jamais me battre avec les poissons sur moi, c'est vraiment à quoi se prendre des coups. À se faire tomber dans les pommes et à perdre tous tes poissons. Ah bah bonne nuit Jean-Billy. N'hésite pas si tu peux laisser le petit ninja soutien, ça aide énormément. Mais bonne nuit à toi, peut-être à tout à l'heure. Normalement aujourd'hui on finit le jeu du crabe, on est sur la fin. Et puis en fonction, bah, il y aura de l'art à la fin. On fera du dessin. On mettra un peu de musique et dessin. Plus j'attends et plus mon poisson a. C'est vrai que c'est les poissons du début. Hein. Ça aurait été sur une autre carte là, je pensais. La foutue. Est-ce que je vois pas où ça pourrait être d'autre hein. On est sur la crique au cater. Comme on a pêché au tout début du jeu, va te souvenir. On les a vus. Va te souvenir. Va te souvenir. Vous vous souvenez ou pas, les chocobos? Je pense pas. Hein. On les avait trouvés au tout début. Coucou double cheese. Comment ça? Si tu te souviens d'où était le poisson, et je pense pas que vous vous souvenez, on a pêché tellement. Attends la journée quoi. Un lac peu profond, moi c'est là. Hein. C'est pas profond, c'est le lac. On va croiser les doigts. Hein.
Aïe aïe aïe. Milena. Allez, allez, pareil. Il apparaît pas ici, je sais pas où je l'ai eu. Hein. C'est qu'il y a une erreur dans le bouquin. Hein. Il est pas là. Hein. Je prends un marchand qu'en vend, ça ira, je pourrais l'acheter, mais. Moi je le vois pas. Hein. Oh, il est plutôt visible. Hein. Spécial. Ah, c'était pas là. Pas aux chutes d'eau qu'il était. Il n'y a pas un poisson particulier aux chutes d'eau. Ah mais c'est là-bas. Relou. Vraiment relou votre truc. Hein. C'est pas le truc que bloqué avec la caméra. Il y avait un truc avec la caméra. C'était là. Ah c'est là. Et en fait tu les vois pas dans les chutes d'eau. Et moi elles sont là. Mais c'est débile. Parce qu'ils te disent lac. C'est pas lac, c'est chute d'eau. Donc c'est vraiment débile. Il y a marqué lac. Oui, tant. Et là, c'est chute d'eau. C'est rivière. Cherchez à comprendre. Fastos. Comment ça va? Ah mais encore j'ai 8 emplacements libres encore d'animés à mettre. Bah ouais parce que pour te souvenir à la fin du jeu quand ils te redemandent le truc. Parce que quand il y a eu la quête, ils parlaient à un endroit un peu particulier mais la quête ça fait au moins 2 mois qu'on l'a faite quoi. Bah tranquillou, on essaie de finir le jeu, mais on va dire que la fin est un peu buggée, plus j'aime bien nous mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on finisse hors jeu. J'aimerais bien y arriver. J'ai adoré le jeu, mais la fin est compliquée.
Il faut combien de merlines? Non, c'est pas là, c'est là. Non, c'est pas là. Attends, les une merline d'au moins 3 cartes. En fait, je sais pas ce qu'ils entendent par au moins 3 quartes. Et là, j'ai une poisson qui commence à pourrir. Bon, on va espérer que ça suffise. Mon poisson, il est en train de pourrir à force de chercher ça. Aïe aïe aïe. Et il faudrait que je refasse les badges sub aussi de la chaîne. On en reparlait hier avec Mamie, c'est vrai que ça fait un moment. Mais bon, c'est un budget quoi. Mais je verrai ouais, pour faire une barre pour. Hein. Ah, les prix de mon dessinateur. Peut-être faire que le luff il se casse plus lentement. J'aurais plutôt une main qui sorte à un moment, enfin une plume. Enfin. Il est où il est là. Non. Il est là-bas. Genre, je vais le donner à lui. Ça fera déjà une quête de fini. C'était juste on fait mon manche pas terminé, on est d'accord, il n'y a plus rien. Ok, ensuite quoi, s'écume, il faut du bois, des clous, donc ça veut dire qu'il n'y a que le poids s'écume à garder, mais le reste je dois le vendre. Acheter du bois et tout. Alors. C'est des poissons qui vaut rien, mais. Bim bim. C'est le vendeur d'outils. Ça, tu vends quoi? Canne à pêche. Ah. Ah. Il me faut un bois. Ah, mais j'en ai là du bois. Il me faut combien de clous? 4, je crois. Molly la bâtisseuse. Hein. Maintenant, faut la retrouver. Je sais pas du tout. C'est Molly la bâtisseuse. Mmh. Ça, des fois, ce jeu me rend dingue. Elle peut être n'importe où. C'est peut-être même pas un chat. C'est pas du tout qui est Molly la bâtisseuse. Le tacheté. Beverly. Seulement il s'affichait sur la carte. Oh la pêcheuse.
C'est dommage que vous vous souvenez pas, parce que moi, avec ma mémoire, c'est impossible ce genre de truc. C'est vraiment impossible. Capristi. On l'a fait avant-hier, mais moi je peux pas, hein. Ma mémoire elle est trop merdique. Après c'est peut-être à l'autre ville. Mais j'ai pas envie que le poisson il va pourrir en fait, c'est ça le problème. Peut-être que c'est à la ville des chats là. On va prendre le bateau, on va espérer qu'il pourrisse pas quoi. Voyager à la baie des pêcheurs. Je sais plus, c'était pour construire quoi, je sais plus. Je sais plus. C'est en train de me rendre folle ce jeu. C'est un jeu qui est censé être détente, mais ils ont tout fait pour pas que ça le soit. Alors que ça s'est vendu comme jeu détente. Et comment on passe sur ça encore? Voilà, c'est le problème, c'est que vraiment tu sais pas où sont les gens quoi. Sur la carte, t'as les commerces, et encore des fois t'as même certains commerces qui sont pas. Sont pas mis quoi. C'est pas elle. Elle est tombée à l'eau. Elle est crevée. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas qui c'est. Tu sais, je te demande juste qu'ils mettent des pings sur la carte pour les quêtes, quoi. Tu as juste des pings pour les quêtes. Juste ça, les gars, juste. En fait, j'ai passé plus de temps dans ce jeu à chercher où étaient les PNJ. Qu'à faire, qu'à jouer, hein. Oli, la bâtisse. Vraiment, je sais pas. Encore ça, tu vois, tu sais, c'est dans sa taverne. Tu sais qu'il faut que tu ailles à une taverne. Je vois c'est laquelle, mais alors, il y a personne qui se souvient qu'il aurait vu le stream avant-hier. La bâtisseuse. Un truc qui devrait être à construire, mais je sais pas c'est quoi. Je me souviens même pas c'est quoi qui était à construire. Ouais, vraiment pas. Dingue. Parce qu'en plus le pire c'est qu'il va pourrir un poisson. Et quand je vais la trouver, je vais retourner chercher le poisson. Et je vais retourner chercher le poisson et je vais à nouveau oublier où elle était. C'est ça en fait. Il a bâti. Alors là. Moi je vois.
Achevez-moi, je vous le dis. Achevez-moi. Une heure à trouver son poisson pour que... Pour que je la retrouve pas avant les données. J'ai envie de péter un truc là. C'est plus frustrant qu'un type saoul, c'est possible. Ah, genre j'ai la quête de Fossette. Fossette, elle est là. Et la bâtisseuse. C'est la première fois qu'on lui parle, non? Oui, la bâtisseuse. Il pourrait au moins, même s'ils mettent pas le ping de l'endroit précis, il pourrait mettre au moins la carte. Pas Molly la bâtisseuse ou au havre des boucles de poils, au truc de. Elle est pas encore pourri. Bah, j'aurais juste une petite indication de zone quoi. Et en plus, on sait même pas si c'est un chat, si c'est un ours, si c'est un oiseau. Bonjour, je vais faire un meurtre. Si je la croise, je lui tranche la tête. Molly la bâtisseuse a crevé. En plus, tu peux même pas demander d'infos aux animaux. Coucou Sumatoa. Genre, vous avez pas vu Molly? Il y a un truc qui s'appelle bâtisseuse. Y a pas. Cet artisan. On va essayer d'aller voir vers le marteau en espérant que ça soit ça, mais bon. Putain. Pour moi, c'était cet endroit, mais la dernière fois que je me suis dit, pour moi, c'est en dehors d'un truc, c'était pas ça. Elle est là! Bon, c'était pas au marteau, mais c'était sur le chemin. Alléluia! 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 Le poisson est presque pourri! Je suis arrivée pile sur la fin! Oh putain! Je te déteste! Je te démolis la bâtisseuse! On a failli devoir faire un aller-retour encore. Elle était à Dojo des Lances. Mais elle était même pas, elle fait pas partie du dojo. Super. Elle est inexistante sur la carte. On va te vendre ça avant que ça soit pourri. Merci. Ça va, Sumatoa, bienvenue à toi. Bon, c'est bon. Maintenant, il nous reste quoi en quête secondaire? Il nous reste des vibroises à choper. Mais elles sont chez les ours. Trop chose. Il faut aller parler à Barrette à cheveux et à Vieille Emplumée. Bah Barrette il est au chute trop chose. Alors on va aller au chute trop chose. Il faut retrouver notre bâton. Chou. Je suis là. Je crois que c'est par là le bateau. Si c'est pas bugué. La barque elle se bug souvent. Qu'est-ce que je disais? Quand elle bug, vous pouvez plus utiliser, vous devez faire le grand tour qui dure 20 minutes de plus. Et c'est parti! Parti, c'est pas par là. Ça va bien, à part que ce jeu veut me rendre folle. Mais sinon, ça va bien. J'aime la pêche. Ce jeu veut me rendre folle. Ouais, mais en fait, sur la fin du jeu, il y a plein de bugs. Donc au début, ouais.
Comme je suis sur la fin du jeu, je pense que c'est une... comme c'est une petite boîte d'indé, je pense que sur la fin ils ont manqué de budget. Et ils ont pas fini certains trucs. À la base, oui, c'est pour ça que je le mets au réveil. À la base. Après, voilà, on est presque fini là. Normalement, c'est les dernières quêtes. Déjà là, c'est les dernières quêtes secondaires. Il manque deux. Ce succès, je suis à 17 sur 19. Après, il me manque quelques lieux à visiter, mais c'est peut-être des oublis. Et il me manque que 5 poissons que j'ai pas trouvé, mais c'est peut-être lié à la quête principale, je sais pas. Donc je suis plus sur la fin, quoi. J'aurais bien voulu le finir aujourd'hui, mais... En fait, normalement, on aurait déjà dû le finir. Il devrait déjà être fini, mais on a eu des bugs. Plus trop chose. Et c'est pour ça que ça serait top qu'ils fassent des patchs là-dessus, mais je sais pas s'ils ont le budget. Sinon, leur jeu, il est top, hein. Enfin, l'idée et tout, de devenir garde-pêche et tout, l'histoire du jeu. Différentes cannes, les différents mini-jeux de pêche. C'est un RPG, ça a pas l'air, mais c'est un RPG. Il y a vraiment un truc sympa qu'ils ont fait. Faut qu'on trouve barrette à cheveux et on pêche de la vibroise. On va d'abord chercher barrette à cheveux parce qu'on peut mettre du temps à le trouver. Bonjour, je cherche barrette à cheveux. Bonjour, vous êtes pas barrette. T'es qui toi? F.O. Béron. Bonjour. On a quoi déjà barrette? Je sais plus. C'est pas lui? Non, c'est Bjorn. Nique ça. Et à quoi il ressemble? Épicéa. Il y a l'alchimiste, mais je crois pas. Hein. Ah, si, c'est Barrette, l'alchimiste. Je vais mettre au travail et j'enverrai mes résultats au Béron. Souhaite-moi bonne chance, petit chat. Bonne chance. C'est bon? Par là, Barrette. Ça va pas cocher. T'as coché ça? T'as pas coché ça? Je dois lui demander s'il a l'équipement à donner. Fuck. Mais pourquoi? Alors c'est au clair, je suis trop cheuse. La couitant. On va prendre les vibroises. Hein. J'ai encore fait bugger, niquette. Ah là, il y a la vibroise. Je suis là pêcher. Quoi la vibroise? C'est la pêche classique. Ah, ils aiment les tiges de plantes. Coucou Soso, coucou Speedcraft. Vous êtes censé aimer ça, hein, c'est marqué dans le bouquin, les gars. Revenez! Non, mais reviens! Ah, bordel, ça commence bien. Petit! Je les ai fait totalement fuir. Non, j'ai donné ce qu'ils voulaient. Bientôt l'heure de faire le trajet. Ça va, t'as encore un peu de temps, non? C'est vrai qu'il est déjà 5 heures. Il y a déjà une heure qu'on est en train de faire les quêtes secondaires. On a fait 3 quêtes secondaires en une heure. Ah bah j'ai vraiment envie de finir aujourd'hui parce que je voudrais vraiment qu'on puisse bien commencer Kamaeru là qui sort samedi soir. On va commencer dimanche matin là.
Un jour, on va s'occuper de grenouilles, hein. Ça va être trop choupi. Un peu dans le style de Cozy Grove au niveau de la DA. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir m'occuper bien de mes grenouilles, moi, la semaine prochaine. On faut combien des vibroises? 5. On va en prendre 6 au cas où il y en a encore une qui passe entre les mailles du filet. On a fait combien d'argent depuis le début? Ah, ils disent pas. Il est juste terminé. Vous voyez, le collectionneur, c'est-à-dire 200 objets, il y a eu 635. Et on a déjà pêché 248 poissons, hein, depuis le début du jeu. En vrai, ça va, hein. En vrai, ça va. T'aimes les jeux de pêche ou pas, Suma, toi? En vrai, il est vraiment sympa comme jeu de pêche. C'est juste, faut avoir un peu la patience pour les bugs à la fin. Voilà, faut. Je suis honnête, faut avoir un peu de patience. J'en ai pas, mais j'arrive quand même. J'arrive quand même à avancer. Mais sur mes vidéos, mes rediff YouTube, il y a quelqu'un qui m'a dit. Il m'a dit j'essaie de platiner le jeu, mais je me bats avec les bugs. Moi, je suis pareil en mode. Je vais finir le jeu, je veux platine. C'est sur le platine. Ah, dans Stardew, la pêche est trop bien. Alors, sur PC, par contre, parce qu'apparemment, la pêche de Stardew sur Switch, c'est l'enfer. C'est vraiment pas prévu pour faire sur la manette. Mais Stardew, oh là là. Qu'est-ce qu'on a kiffé. J'ai fait deux parties en stream. Hein. On a fait les deux fins. J'en ai fait un peu hors stream avec le chéri. Coucou pom pom, comment ça va? Ah, c'est les retours que j'ai eu. Moi, j'ai pas testé sur console, mais tout le monde m'a dit la pêche sur la console, c'est l'enfer. C'est vrai que sur Stardew, c'est sympa la pêche. J'ai peut-être. Ouais, je crois pas que j'ai trouvé tous les poissons Stardew, mais j'en étais pas loin. Après, ça demande beaucoup de temps pour tous les trouver. Il y en a beaucoup plus que dans celui-là hein, de jeu. Ah, celui-là, il a pas la même durée de vie. Stardew a une plus longue durée de vie, mais les jeux de ferme, de toute façon, les jeux de simulation de ferme, ils sont toujours très très longs. Toujours, hein. On en a fait quelques-uns sur la chaîne, quand même. Hein. J'aime bien, mais... c'est vrai que quand on commence un, il faut avoir du temps. C'est pas pour toi que j'ai mis ça, tu vois, donc tu vas pas me le bouffer. Eh bien, eh bien, viens manger, viens, viens. Il a pas de cœur. Il a pas de cœur, lui. Ah, peut-être celui à gauche, il aura un cœur. Est-ce que tu as un cœur? Toi non plus, tu n'as pas de cœur. Ah si, il a un cœur. Alors c'est la pêche classique, après il y a la pêche au leurre, il y a la pêche à la mouche. La pêche à la mouche arrive très tard dans le jeu par contre. La pêche au leurre c'est la moitié du jeu. Et de 3 je crois. J'ai la meilleure les meilleures cannes à pêche du jeu pour le moment. Au-dessus des vents. Comment ça au-dessus des vents? Je t'emmène au vent, pas au-dessus des vents. Au-dessus des gens. Enfin, moi j'ai toujours entendu au-dessus des gens. Au-dessus des vents qui disent. C'est moins bien du coup. Il me donne un doute. Tiens. C'est possible que j'entende mal les paroles quand j'écoute la chanson. Moi, je suis tendance à remixer les chansons à ma sauce.
sont super sensibles. Faut pas être trop loin, mais faut pas être trop près. C'est un peu chiant, hein. C'est un peu chiant que les vibroises, hein. Allez, viens. Merde. Oh. On peut aimer ça. Oh bah alors lui, hein, il est tout seul. Et de 4. Après, il faudra qu'on aille voir le vieil emplumé. Ça a l'air bizarre dans ce jeu. Bah non, pourquoi? Elle est super bien. Tu choisis ta canapé, tu choisis tes appâts. Et après, t'as des mini-jeux. C'est un RPG, donc c'est les, si tu veux, les, la pêche, c'est les combats. En plus, ce qui est pas mal, c'est que les mini-jeux, ils te les mettent petit à petit. Et de 5. Oh, Bobby! Comment ça va? Ouais, par contre, ma pêche. Dans les jeux que j'ai préféré, c'est. Comment il s'appelle le jeu? Merde. Un jeu. Bah, en simulation de vie de ferme. Ah, j'ai plus. Où tu pêches à la lance. Qu'est-ce que c'était trop bien. Ah, j'ai plus le nom. Roots of Pacha. Roots of... La pêche Roots of Pacha. D'ailleurs, si t'as aimé Stardew Valley, je conseille Roots of Pacha. Franchement, c'est. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop trop bien. C'est du pixel art aussi. Un même style, mais. C'est encore au-dessus, mais après, c'est vraiment plus récent. Bon, j'ai pas fait les dernières mises à jour parce que j'avoue que. Tellement longtemps que j'ai joué au jeu que retourner dessus c'est un peu compliqué même si j'ai adoré. Je sais qu'ils ont ajouté plein de trucs encore. Enfin, c'est comme Stardew, ils rajoutent toujours plein de choses. Bon ça va, j'en ai pêché un peu trop. On va sauvegarder. J'en ai pêché un petit peu trop. Alors. Là en face. Ah, bonne route, pédale bien. Ouvre-toi comme je pense qu'il fait un peu plus frais ce matin, mais je sais pas, mais. Oh, j'ai chaud en ce moment. C'est aussi pour ça que je dors mal hein, le soir en plus de. Trop chaud. Vraiment, Xexa, c'est ma sauveuse. Hein. Elle m'a offert un ventilateur. Le mien, il m'a lâché l'année dernière. Elle me sauve pour cet été. Et Alex, il était content du coup. Voyager. Alors, faut d'abord que j'aille rendre les poissons à la baie. Là. À la baie des pêcheurs. Et après, faut qu'on aille voir le vieil emplumé sur la côte d'Aigle. Et après, on va pouvoir un peu taper dans les quêtes principales. Par contre, c'est avec la pêche à la mouche, j'ai eu un peu de mal avec le mini-jeu au début. J'ai vraiment galéré. Moi, c'est vraiment la pêche à la mouche qui a été assez dure. Hein. Mais sinon, les autres, ça va. Les tutos sont plutôt bien faits. Après, tu peux les relire, mais bon, des fois, entre les lire et la pratique, c'est un peu con. J'ai du mal sur la pêche à la mouche. J'étais des poissons. Là, quand ils te disent à la taverne et tout, c'est plus facile de retrouver les PNJ. Ah, elle m'a donné des écailles en plus. Combien? Ouh, elle m'a donné pas mal. On va vendre nos poissons. Wapel, comment ça va? T'es réveillé un peu avant, c'est cool. Ah, désolé, il n'y a pas Mumi. Dommage. C'est vrai que Mami, si elle passe, c'est plutôt vers 5h, 5h30. Merci pour le follow, Smatoa. Merci beaucoup.
Ah, hier, ouais. D'ailleurs, merci d'y avoir participé, hein. Merci à ceux qui jouent. Après, voilà, vous restez ou pas. Mais il était super, ça lui a fait super plaisir. J'avais jamais raid. Il passe des fois sur la chaîne, mais j'avais jamais. J'avais pas encore eu le temps de parler à tout le monde, et toi, tu as pris contact avec les pêcheurs. Ok, rien de plus. Normal, hein, mais j'avais une petite bubule, alors je me suis dit, il y a peut-être autre chose. Mais... voilà, il est sur la côte d'Aigle. C'est vrai que Potion Permit, on avait bien kiffé à l'époque. Pareil, il y a de la pêche dans Potion Permit, mais alors, par contre, la pêche dans Potion Permit, elle est sympa, mais alors, je sais pas s'ils ont patch ça, mais le bruit que ça faisait, une horreur. Ça faisait des ploc 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 infâmes. Super fort. Mais bon, ils ont peut-être patch. Mais Potion Permit, il était cool, hein. Alors, Côte d'Aigle. Je sais pas s'il reste encore un lieu à découvrir. Potentiellement. Soit j'ai oublié des endroits, soit il y a une autre carte par la suite. Ou une grotte, ou... juste une carte, peut-être pas un lieu entier, mais juste une... Alors votre chat, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Hein. En plus, il y a ces personnes-là qui ont des vêtements. Alors faire attention parce que... elles ont pas tous les vêtements, chaque lieu a ses vêtements. Et si vous faites... si vous équipez un truc, faut pas faire. Si vous aimez pas, faut faire annuler parce que sinon faut retourner à l'ancien endroit pour reprendre l'autre que vous aimiez mieux. Par contre, ce qui est pas mal avec les vêtements, c'est que c'est gratuit. Vous n'avez pas acheté de vêtements dans le jeu, c'est voilà, c'est cadeau. Le vieil emplumé, c'est qui déjà? C'est le Stratos. Si on se demande à pouvoir regagner leur coin de pêche favori, eh bien nous allons les aider, cela va de soi. Les pêcheurs ont pour l'heure arrêté d'aller pêcher là-bas à cause de la crise que nous traversons. Le tremblement de terre a provoqué d'importants dégâts dans toute la région, mais il y avait avant cela un passage permettant de rejoindre ces points d'eau à pied. Aujourd'hui, il est totalement bloqué sous une tonne de gravats. Nous autres n'avons qu'à nous envoler pour tout contourner, mais toi, tu devras sans doute y ouvrir une brèche pour atteindre la destination. Rends-toi au gravat près du barrage, tu devrais y trouver des réponses à tes questions. Je crois pas que ce soit lui, mais j'ai fait une autre quête. Oh, ouais, recrutement des ours. Il y a ça. Les vieilles emplumées au grand fleuve. Ah, mais on n'est pas au grand fleuve là. Le grand fleuve. Le grand fleuve, on n'est pas loin. Le grand fleuve, il est là-bas. J'aime bien le nom. Vieille emplumée. Son nom, hein. Moi, j'y peux rien. Où étiez-vous déjà? Ah oui, il était à la maison en haut là. Donc les escaliers, il y a un petit étang et il est à côté. Oh. Il y a des péniches, ça va, j'arrive à me souvenir hein, quand même, mais il y en a tellement que. Pas évident. Hein. On est jeudi aujourd'hui oh, on est jeudi. Quoi? Avec nous un petit peu, un peu. Je suis perdu dans les jours. Comment? Plus de filet? Ah oui, le havre des boules de poils doit avoir un sacré problème d'insectes. Tiens, voilà tout ce que j'ai, j'espère que ça suffira. Merci. Ça, c'est bon. Et en fait, on a eu un petit souci. C'est que Barrett, il veut rien. Il a rien voulu nous donner parce que sûrement lié à... aux quêtes principales. Ah mais j'ai oublié de faire les pêcheurs là. On va faire d'abord dégager le passage caché du col. Dans la vallée perdue. Du coup faut qu'on retourne en arrière. Bah non parce que le chevalier Zodiac c'est pas dans les années. Apple, elle a pas tout lu. Apple, elle a pas tout lu. À une année près, ça passait. Mais ça passait pas. Parce qu'il y a eu une pause dans l'animé. En fait, tout.
T'as eu des pauses. Il y a des saisons. Et même les films, les OAV, ils sont pas dans les bonnes années. Après, on lui a donné plein de trucs. Après, il y a plein d'autres dessins animés, tu vois. D'ailleurs, j'ai découvert que Helios connaissait pas les Razmoquettes. Vallée perdue, faut aller, c'est là-bas. Moi, je pense que j'allais faire Fievel, mais au Far West, parce que Fievel en Amérique, c'était pas la bonne année. Par contre, Fievel au Far West, ça compte. Je pense que je vais faire ça. Après, il y a Babar, il y a... il y avait Razmoquette, du coup. Enfin, il y a plein de trucs, mais faut un peu chercher, quoi. Après, le problème, c'est on a essayé un peu de lui trouver des trucs. Enfin, les garçons lui ont... Oh, putain, c'est ici. Les garçons lui ont trouvé des choses. Oh, putain, c'est ici. Mais faut aussi qu'il cherche un petit peu, quoi. Parce qu'on connaît pas totalement ses goûts, quoi. Ah, j'ai pas de poisson sur moi, donc si je meurs, c'est pas très grave. Mais ouais, on a bien blablaté pour lui trouver une idée, hein. On a tout essayé. Après, en vrai, il y a quand même pas mal de choix, hein. Mais tu sais que le problème, c'est que c'est justement ça. Hein. Il y a vraiment... J'ai remarqué, les gens, ils voulaient... Enfin, tout le monde, ça lit pas assez. Parce que tu vois, c'est pareil. Toi, t'avais mis un lien avec les animaux. Moi, j'avais mis un lien avec les dessins animés. Et c'est après qu'une fois qu'ils ont voté, j'aurais dit, mais vous avez des liens qui vous montrent. Pour donner des idées. En fait, ils vont vers la facilité à chaque fois. C'est compliqué de proposer des thèmes sur... Parce que si à chaque fois les gens vont... Est-ce que ceux qui se connaissent sans essayer de chercher un peu d'autres trucs? Ben, c'est compliqué. À la fin, hein, ça va être des thèmes trop faciles, quoi. Je suis trompé de chemin. Ah non, c'est bon. Parce que comme je disais, les dernières années, il y a quand même pas mal d'animés. Même Conan Détective, ça comptait dans mes années parce qu'ils ont ressorti un film, tu vois. Pourtant, Conan, c'est assez vieux, quoi. Conan Détective, là, l'autre show, là... Ouais, je connais pas trop, parce que je regardais pas, moi, mais... Oh, perso, moi, j'ai un peu tout regardé. Je savais ce que je dessinerais à peu près pour tous les trucs. Et ouais, c'est difficile hein, de les faire lire. Hein. Ok. C'est bon. Et donc du coup on a débloqué un raccourci. Du coup les oiseaux et les ours ils peuvent se rejoindre. Et j'espère qu'Elios se trouvera quelque chose. Viens donner un coup de patte. J'ai lancé une corde de guidage de l'autre côté mais je n'arrive pas à atteindre l'autre rive. Je vais bien aller chercher l'attacher à quelque chose pour qu'on puisse commencer la réparation. Bah ouais, mais je fais comment? Ah, peut-être avec ça? Ça va pas aussi loin. On fait... Je sais pas comment tu vas récupérer ça.
Putain, mais sérieusement. Je suis sortie de l'écran, je sais même pas où je tirais. Eh bien, les premiers patrons, s'il te plaît. Non, mais sérieusement. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas dû réussir à faire la quête. Et ouais, du coup, je me suis rendu compte que même épinglé, les gens lisent pas. Et pourtant, j'avais épinglé exprès. On est voir le conseiller Bjorn. Ok. Ah non, lui, il bouge pas de place. Merci Zipper pour follow. Comment vas-tu? Que nous étions enfin prêts à tourner notre regard vers vous. J'enverrai les pêcheurs là où on a besoin d'eux. Ils devraient être capables de s'occuper de l'éboulement directement à la source. Ensemble, nous réussirons à régler ce problème. Ça, c'est bon. Donc, il faut retourner. Retourner à la baie des pêcheurs et au havre des boules de poils. Recruter. On est pas mal, on est pas mal. On a bien avancé malgré que on est chié avec certains poissons. Attends, j'ai pas essayé de reparler à l'ours. Peut-être que... Avant... Que ça va se débugger comme j'ai récupéré le truc de vieil emplimé. Pas pensé. Alors l'eau, on peut pas y aller assez longtemps sinon on meurt. Hein. C'est vraiment... Tu fais un petit saut puis tu te casses. Hein. Les petits sont levés ou pas encore? T'es un peu tranquille? Je peux faire pour toi des bombes pour faire le ménage, pas de soucis. Tiens. Ah bah voilà. Je sais pas si ça fonctionne. J'ai bien fait de revenir le voir. C'est qui voulait ça? Roy. Avoir des bouts de poils. Roy, c'est le maire. Mais est-ce qu'il... Il avait pas bougé de place? Question bête, attention. Tu veux la réponse bête ou pas? Simpson, j'ai le droit. Oula, faudrait que je fasse une recherche. Après, je pense que ça sortait souvent, donc il y a des chances. Mais après, faut que tu vois quel truc est sorti à peu près à ce moment-là. Enfin, quel style, s'ils ont changé de style de dessin ou quoi. Bon, après, il y a plein d'épisodes, donc en vrai, ils changent pas trop de vêtements. Bah, je pense que c'était dans ces années-là, mais il faudrait que j'aille voir sur Wiki et tout. Là, je peux pas trop faire d'altab avec ce jeu. Ouais, mais c'est pas vraiment ça qu'on regarde. Moi, je regarde Wiki, la sortie pays. Et je regarde si c'était en cours à tel moment, parce que des fois, ils font des pauses, tu vois. Tu vois, comme le cheval du Zodiac, c'est vraiment, il a pas de chance, Yos. Après bon, je pense que c'est Simpson normalement, mais faut vérifier quoi. Alors j'en étais à quoi de recrutement des pêcheurs? Ah ouais, des boules de poils, il en manque deux. Ça c'est Roy, mais Roy je sais pas s'il est là.
Alors, les pêcheurs. Il veut pas. Mars 91. C'est la saison combien? Après, peut-être qu'il n'y a pas marqué la saison. Alors, moi, j'aurais le pays d'origine. Enfin, je reste sur Wiki, pays d'origine. Enfin, des fois, ça correspond. Oui, allez, mais ça sort à peu près en même temps. Ah ouais, on leur a déjà demandé. Ok, un pêcheur de plus. Aucun pêcheur. Mais Roy, je crois qu'il a bougé, hein. En fait, il y a des pêcheurs qui vont pas pour la quête, alors on faut pas les bons. Je suis étonné. Vous voulez pas faire Sailor Moon d'ailleurs? Pas si Red fait aussi Sailor Moon. J'avais regardé Sakura au début, mais ça tombait pas dans les bonnes. Peut-être qu'ils sont un peu éloignés, ils sont peut-être pas tous là les pêcheurs. Ah là. Voilà, ça c'est bon. Et Roy, je pense qu'il est pas là, hein. Ouais, trop récent, ouais. Après Sailor Moon, je sais plus ce que fait Red. Ouais, je peux comprendre. C'est pour ça que moi j'avais regardé plusieurs trucs. Au cas où. Voilà, aujourd'hui si on fait de l'art, alors c'est pas sûr, ça dépend, j'aimerais bien finir certains jeux. Si on fait du dessin, ça sera pas le thème du mois aujourd'hui. Je vais continuer à m'entraîner sur Alastor. Je suis vraiment pris au trip par ce dessin animé, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si ça t'arrive Apple, qu'il y a un truc qui te prend au trip. En même temps, il a choisi ça pour les chats. Ouais, mais il a dit qu'il allait quand même faire de l'humain pour le défi, tu vois. Et il a dit qu'il se faisait violence. Il va pas faire que les chats. Alors moi, Five, j'ai jamais, par contre, j'ai jamais, jamais décidé. Oh, il est là, ouais. Maintenant, il est là. Avant, il était ailleurs. Un des bombes. Défi. Sakura, c'est bien à dessiner, je pense. Après, bah, si t'as retenu les années, tu pourras proposer le mois prochain. C'est juste que, bon, déjà 5 ans, je trouve que c'est beau. C'est... Vraiment, 5 ans, c'est le max, si jamais vous mettez de telle année à telle année. Parce qu'après, c'est trop large et... Et du coup, ça, en fait, ça réduit un peu le défi. C'est pour ça que moi, j'avais pas mis trop d'années, tu vois. Mais tu vois, ça semblait difficile, du coup, les gens, ils ont pas voté pour... Mais ils sont pas allés voir ce qu'il y avait en fait. Ils ont même pas essayé de chercher à savoir ce qu'il y avait. Surtout que sur Netflix, c'est quand même plein de nouveaux animés. Ou même, tu vois, les dessins animés pour les enfants qui sortent récemment. Ils sont dedans. Hein. Coucou Cerber, comment ça va?
Bien content que tu aies choisi de suivre tes rêves, sans quoi on n'aurait jamais trouvé de solution. Ainsi de nous avoir apporté tout ce matériel, ça devrait bien nous aider. Je t'ai apporté du poisson de chez moi, bon appétit. Oh, j'ai complété toutes les quêtes secondaires. Oui. Alors, il y a 0,5% des joueurs de ce jeu qui ont fait ce putain de succès. Voilà. Voilà, j'en chie. Mais ça vaut le coup. 0,5%. C'est l'avant-dernier succès plus dur. Le plus dur, c'est d'attraper tous les poissons. Et c'est 0,1% de joueurs. Merci, Chocobo. On en chie, mais ça vaut le coup. Hein. Il manque que 2 succès. Il manque que 2 succès. Même finir le jeu, c'est pas dans les succès. Il me manque trouver tous les lieux. Et attraper tous les poissons. Juste ces deux-là, là. Là, j'en ai trouvé un de plus, tu vois. Il manque ces deux-là. Et par contre, regardez les tutos. Il manque encore 2 tutos. On est à la fin du jeu, il manque encore des tutos. Aïe aïe aïe, bon, on va chercher les pêcheurs ici. Par contre, je vais vendre les poissons qu'on m'a donné là, parce que c'était mignon, mais. Je donne des poissons, mais j'en ai plus rien à faire là. Après, je me dis que peut-être les derniers lieux et tout, c'est avec la quête principale, tu vois. Il y a peut-être un endroit où. J'en ai chien. Faut savoir que déjà, chacune de mes cannes à pêche coûte 600 balles. Enfin, canne à pêche et moulinet, quoi compris. On s'est bien battu quand même. Hein. C'est tout ce qu'on a acheté d'autre. Alors, recruter des pêcheurs. Est-ce qu'il y a des pêcheurs déjà ici? Elle, c'est une prof, mais est-ce qu'elle fait de la pêche? Non. Mais elle est nouvelle. Ah ouais, elle était pas là avant. Ils l'ont rajouté pour la quête. Ouais, en fait, ils rajoutent des persos là. On n'a jamais vu. On fera la pause café avant de finir le jeu. Hein. Mais il y a peut-être moyen, hein, peut-être moyen de finir le jeu. Ça dépend en fait de la suite s'ils nous ressortent plein de trucs. Et comme on a fini toutes les quêtes secondaires, déjà c'est bon signe. C'est déjà un peu meilleur signe. Mais les quêtes secondaires, je les avais loupées en fait. Le jeu il vous dit pas il y a une quête là, il y a une quête là. Des fois vous avez des pings pour les quêtes, mais c'est que les principales et c'est seulement pour vous dire où les prendre. Après ils vous les mettent plus, vous cherchez pendant 3 heures. Y a pas de. Il manque un pêcheur. Hein. Trop contente. Genre, j'ai un peu réagi sur certains trucs, j'en ai chié, mais je... ça valait le coup. Quand t'as un succès aussi rare, hein, c'est pas tout. Genre là, y a rien, y a pas de lieu. Des fois, y a des lieux, je suis passée 3 fois devant avant que ça m'active l'endroit. Je cherche. Ah là, y a un monsieur canne à pêche. Voilà. Il était là. Coucou, vas-y. J'en ai voir le ministre. Il habite là. Oui. Oui, oui, oui. Beau travail, tous les pêcheurs sont venus me voir et j'ai pu leur donner leur mission. Avec la reine, nous devrions réussir à surmonter cette épreuve. Bonne chance. Ah, on a bien mérité notre pause café pour avant d'aller sur la suite. Après, est-ce que je vais réussir à la platine? Je sais pas. Parce qu'il manque quand même 5 poissons. Et je pense pas qu'il y ait de guide sur ce jeu.
Retournez voir Stratos. Il me manque 5. Retournez voir Stratos. Du coup, petite pause boisson, café, tout ça. Je mets une bataille royale pendant la pause. Merci à ceux qui pensent au petit clic du jour chez mes partenaires Instant Amazon pour le soutien. Merci à ceux qui passent par mes liens pour mettre un peu de beurre dans les haricots. Et j'arrive tout de suite, petite pause boisson. Je vous mets la petite musique d'ascenseur sur ce jeu. J'arrive de suite.